Vous pouvez être raciste, mais pas sourd. Aya Nakamura répond au collectif d'extrême droite Les Natifs. Ils avaient manifesté le 9 mars à Paris contre la possible participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Parce que fin février, l'Express avait affirmé que la chanteuse franco-malienne avait été reçue à l'Élysée par Emmanuel Macron pour évoquer la possibilité qu'elle chante lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et ça, ça a suscité d'importantes réactions sur les réseaux. Aya Nakamura a répondu au groupe identitaire Les Natifs sur X « Vous pouvez être raciste mais pas sourd, c'est ça qui vous fait mal. Je deviens sujet d'état numéro 1 en débat, mais je vous dois quoi en vrai ? Que dalle ! » La chanteuse a reçu le soutien de personnalités politiques comme la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques Amélie Oudéa-Castéra et plusieurs artistes se sont aussi indignés contre cette banderole qui vise l'artiste écouté par plus de 7 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify.